est là pour être auprès du patient et assurer cette prise en charge optimale avec la création de chemins cliniques, avec les informations pour que chaque intervenant soit le plus informé. Et ces chemins cliniques ont été coordonnés par les chirurgiens, les anesthésistes, mais aussi par moi, qui ai pu derrière en parler et former le personnel de telle façon à ce que la RAC puisse être une prise en charge optimale auprès du patient. Et c'est essentiel. En gros, moi quand je vois les malades en consultation, il faut que je leur dise beaucoup de choses. Et on sait très bien que plus la consultation est longue, moins les patients ils impriment de choses. L'infirmière, elle complète ma consultation. Ils vont avoir des interrogations différentes. Donc moi je suis là pour répondre à ces questions-là, pour réexpliquer aussi les protocoles, savoir s'ils ont lu les différentes brochures à la maison, s'ils ont des questions par rapport à ça. Puis on n'ose pas forcément poser des questions parce qu'on se dit bah, je vais être bête. Que ce soit au niveau chirurgical, comment va se passer l'intervention, quelle va être l'intervention et quel va être aussi le devenir à la maison. L'information passe par cette communication bienveillante, pas dans le jugement, on est là pour réexpliquer.